Bon. Il est off 10h. Ah, c'est 10h. On est prêt, là? Là, j'ai ce que j'ai tout ce qu'il faut. J'ai ma cravate, j'ai mon microphone. Ce qui marche? J'ai mon microphone. J'ai mes petites questions. J'ai mon disque de Luc de l'Angelais. Il manque rien. C'est parfait. Ça va être un bon show, ça. Les envolées lyriques et inspirées de Luc de la Rochelière. Le savoir-faire et la sincérité de Michel Bergeron. Et l'esprit lutin de François Morancy. Et maintenant, le Sherlock Holmes au violon à une corde, l'Arsène Lupin des vols à basse altitude, le Colombo sans mystère. Celui qui pensait que la Libye était un sultan arabe, Jean-Pierre Collier. Je dois vous avouer, c'est ma cravate que vous applaudissez, c'est ça? Je dois vous avouer que ces bravos emplissent mes oreilles d'une douce musique. Et c'est parfait, ça met fin au courant d'air qui est entre les deux, c'est parfait, ça. Bonsoir, mesdames, bonsoir, mesdemoiselles, bonsoir, messieurs. Soyez tous et toutes les bienvenus à ce défoulement collectif qu'on appelle Adlib, qui est présenté tous les soirs de la semaine et qui présente tous les soirs quelque chose. Et ce soir, vous aurez quelque chose. Bon, merci beaucoup pour votre... C'est un courant d'air ici. C'est un courant d'air. Ils ont parti à la climatisation. Et ce soir, vous allez avoir quelque chose. Bon, merci pour votre fidélité, mesdames, messieurs. Merci, les gens en studio, pour votre visite. On a deux groupes. Nous avons avec nous, mesdames, messieurs, le supermarché Provigo Beaubien. Soyez les bienvenus. Super, Provigo. Merci. Et nous avons avec nous, mesdames, messieurs, le supermarché Provigo Beaubien et le métro Hog de Sainte-Anne-des-Plaines. Et sans jeu de mots, c'est un show qui va super marcher. On pensait que c'était plus fort que ça quand tout à l'heure. Là. Nous avons également, mesdames, messieurs, c'est incroyable les gens qu'on peut rencontrer lorsqu'on anime une émission comme celle-ci, lorsqu'on sort un tout petit peu, même en hiver, les gens qu'on peut rencontrer. Nous avons dans l'auditoire, mesdames, messieurs, quatre personnalités marquantes qui toutefois préfèrent garder l'anonymat et que je vous présente immédiatement, si vous permettez. Il y a cet homme. Et cet homme, on vous le présente tout simplement parce qu'il se nourrit exclusivement de... Il se nourrit exclusivement de Fruit Loops. Bravo! Bravo! Et il y a cette dame qui préfère aussi garder l'anonymat, et je la comprends, c'est qu'elle a déjà fait l'amour en patin à roulettes. Et cette autre dame à la bouille fort sympathique, ce qu'elle a fait, cette dame, mesdames, messieurs, elle a tricoté le toit du stade olympique en Fentech. Elle a tricoté le toit du stade olympique en Fentech. C'est pas toujours fabuleux ce qu'ils ont fait, les gens qui viennent nous voir. Il y a cet homme que je vous présente et qui préfère aussi garder l'anonymat. Enfin, il garde quelque chose, lui. Il garde l'anonymat. Et il collectionne la mousse de nombril, mesdames. Et quand vous voudrez avoir des petits morceaux de sa collection, vous nous ferez signe. Mesdames, messieurs, t'es ceux qui ont... C'est pas la climatisation, je veux dire, il y a des courants d'air dans la place. Peut-être qu'il y a trop de téléviseurs allumés, ça fait des courants d'air partout.
Mesdames, messieurs, en musique et en chanson, nous sommes très heureux de vous présenter ce beau grand garçon de mon âge, de ma génération. Quand je parlais de courant d'air tout à l'heure, c'est exactement ce que je veux dire. Qui fait comme moi flipper les petites, les moyennes et les grosses. Les dames le regardent à la télévision, les bras en croix. Mesdames, messieurs, Luc de la Rochelière! Oh! Mais ce n'est qu'en faux.